Coé a le pouvoir de te faire voir la radio. C'est fort. Le principe de « il va y arriver ou pas » est extrêmement simple. Je donne un défi à Guéguette. Si Guéguette réalise ce défi, Guéguette l'aura réalisé. Ah, et une personne en ligne qui aura dit « oui, il va réaliser » aura gagné. Celle qui aura dit « il va pas réaliser » aura perdu. Vous êtes d'accord? Je prends deux personnes. Passez-moi deux personnes. Il y a qui? Il y a Quentin. Quentin, ça va Quentin? Je peux en avoir un. Salut Coé, ça va? Oui, ça va. Et il y a qui d'autre? Manon. Je peux pas appuyer. Manon? Oui. Bonjour Manon, comment ça va? Ah bah ça va bien. Alors attention, vous allez faire votre pari. Le défi que je lance à Guéguette. Guéguette, écoute-moi. Ouais. Tu as vu que viennent d'arriver, comme par magie, des flambis. Oui, ils s'y attendaient pas du tout à part. Le principe est simple. Sera-t-il capable de manger 10 flambis en 10 secondes? Bah impossible. Non mais il faut les retourner là, D'abord il faut les mettre en flambi, bah c'est-à-dire en version posée. Ah dans le plateau. Ah bah oui. Ah notre ami Jean Moule découvre. Eh hey, à Cambrai les flambis c'est pas arrivé jusqu'à Cambrai peut-être. Il a jamais été lavé. Mais si, il est tout propre. Il a pas tort Guéguette, je pense que le plateau il a jamais été lavé. Donc sera-t-il capable de manger 10 flambis en 10 secondes. Alors, avec ma bouche, je peux en prendre 2-3 en même temps à chaque fois. Bah oui, il a, je l'ai pas pris un peu au hasard. Il a dans le public, ceux qui pensent qu'il va y arriver, levez la main. Ok, un pessimisme total. Ceux qui pensent qu'il ne va pas y arriver, levez la main. Ouh, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Moi, je pense que c'est moi. Possible. Manon, c'est toi qui vas choisir. Il peut y arriver ou pas? Ah non, moi je crois qu'il peut y arriver. Je crois en lui. Hein. Manon dit oui. Trop mignon. Oui. Quentin, tu dis quoi? Il y arrivera jamais. Quentin dit non. Qu'est-ce qu'il y a à gagner pour le gagnant? Un caméscope numérique. On joue pour un caméscope numérique. Ça veut dire que Manon, si jamais il arrive, t'as voté oui. 10 secondes. Un caméscope pour c'est toi. Chaud, non, si jamais il n'y arrive pas, c'est Quentin qui prend le caméscope numérique. Est-ce que je peux en faire un décès? Ah oui, on tolère le 1 décès. Bien sûr, on tolère le 1 décès. Voilà. Un décès, c'est pas quelqu'un qui meurt. Hein. Non. Voilà. Et oui, le flambi, c'est ce petit yaourt pour ceux qui ne voient plus ce que c'est avec la languette au cul qui fait que ça tombe. Et les gens mangent ça depuis la cantine en primaire. Hein? Les gens mangent ça comme ça. Moi, je ne mange ça que sur les aires d'autoroute avec le menu. C'est généralement, t'as un flambi en dessert quand t'as pris ta saucisse frite. J'en teste un. Voilà, on y va. Qui t'a coûté 50 euros. Non. Ok, j'ai mis 5 secondes pour en manger un. Je pense qu'on peut rallonger un peu le temps. Parce que ah, mais tu les gobes. Bah oui. Est-ce que je mets 15? Ouais. Non. Oui. Bah, Quentin, m'en veux pas, je mets 15. Ah ouais, parce que là, sinon, ça va être. Est-ce que je peux avoir un truc pour vomir? En 15. Donc, on est d'accord que, Manon dit oui, ce qui arrange les affaires de Manon, hein, que je mette en 15 secondes. Ouais, je m'étonne. Quentin, ça l'arrange pas du tout, parce que Quentin a dit non. Alors, je refais maintenant, depuis que j'ai mis 15 secondes, le public, ceux qui pensent qu'il va y arriver en 15 secondes, levez la main. Ça ne s'est pas arrangé. Toujours pas. Il y en a qui ceux qui pensent qu'il n'y arrivera pas, levez la main. Merci. Mais vous êtes d'un pessimisme dans ce public. Allez, mon Guéguette. Il a une grande bouche en plus. Guéguette. Ouais. Tu te mets en position, tu peux commencer à mettre le premier dans la bouche. Il faut que tu l'encourages. Vas-y, vas-y. Et le chrono, il est où? Celui qui pense que c'est bon. Il est là. Ah non, je veux un chrono. Non, je veux un chrono officiel. Voilà, là. 3, 2, 1. Top, Guéguette, c'est parti. Vas-y, allez, ne riez pas, vite. 2. Vas-y. Il va vomir. Mais laisse-le. Ripa. Il va gerber. Allez, Guéguette, t'es bien. Ah non. Ah, c'est dégueulasse. C'est fini. C'est fini. Oh, Guéguette. Je te jure, la vidéo où t'as recraché le flambi, on va la mettre sur YouPorn. Il y a le père d'Alex qui va la retrouver. Oh là là, on dirait un mauvais cumshot. C'était horrible. Oh là là, ça m'a rappelé. Bon, on est sur un bon 2,5. Manon, Justin qui se retient. Manon, il en a mangé 3,5. Oh, il fait chier. Hein. Bah oui. Tu peux même dire que c'est un gros con. Tu sais, il ne fait pas d'effort. Voilà, Quentin avait dit non. Quentin repart avec un caméscope numérique. Ouais. On va par énergie. Bravo mon pote. Hey Guéguette, je t'adore. Moi aussi. Ciao mon pote, ciao bientôt Quentin. Peut-être qu'à l'occasion Quentin, c'est de la famille de Guéguette. Il a fait exprès de perdre. Virez-moi ça là, c'est Max, dégueulasse. Il en reste 4. Je voudrais juste voir comment Max peut m'enfiler les 4 en combien de temps. Tourne le plateau sinon il avec le vomi à côté. C'est pas du vomi. Arrêtez, c'est du ressorti de bouche. C'est pas du vomi. C'est pas du vomi. Arrêtez vos conneries. Ici, au bout de deux, allez, je peux plus avaler, moi. Top, c'est parti. Je voudrais voir. Ça glisse tout seul. Regarde. C'est presque excitant. Attends Max, attends, je te T'as vu comment il te remonte? Vous me ferez un ralenti avec la vidéo de Max que vous m'enverrez ce soir par vidéo après l'émission. Max, mais c'est... On dirait une carpe. Il a quand même calé, il cale quand même au bout de 4. On dirait le poisson, le bocal, c'est celui qui nettoie les aquariums.
C'est ouf, Max. Ça donne envie de pleurer. Ah, bravo, bienvenue sur Énergie. Retrouvez toutes les vidéos sur koé.fr.